Are you in for the next Morocco Desert Challenge? On a bien roulé au début. On a très bien roulé. Jusqu'au ravitaillement où là c'est le drame. Pendant le ravitaillement c'est le drame. Ouais, le ravitaillement, il nous a fallu les 30 minutes pour remplir le réservoir et en fait on s'est rendu compte, pour mettre 100 litres, on s'est rendu compte qu'au bout de 104 litres le réservoir était plein et que ça débordait. Et ça a débordé partout et là, pour des questions de sécurité, on n'a pas pu repartir tout de suite. On a dû attendre 20 minutes. Donc 20 minutes à l'arrêt, donc voilà, après 20 minutes, ce qui nous met 7e aujourd'hui. On commence à les sentir un peu fatigués. Hein. Que ce soit son copilote François ou que ce soit Axel, là, c'est bon, la fatigue est installée. Et là, c'est plus aussi sur l'usure et c'est plus vraiment au niveau psychique qu'on le ressent. Très peu de sommeil, des conditions un peu chiantes. Hein. Il y a du vent, il fait chaud. Je crois qu'aujourd'hui, on a approché des 50 degrés au soleil. Enfin, bref, c'est dingue. Il y a de la poussière en permanence sur le camp. Partout. On arrive, il y a les camions qui retournent le terrain. Donc dans la journée au soleil, c'est assez contraignant quand moi je l'attends. Du coup, les séances, ça devient un peu plus dur de les faire parce que là, je suis une heure et demie avec lui à 100%. Donc j'avoue que quand je sors d'une séance, je suis un peu bulleux, je suis un peu cassé. Ça, c'est pas quelque chose que je connaissais jusque-là. Donc ça, c'est assez nouveau pour moi. Et puis par exemple, aujourd'hui, je l'ai massé. Donc c'est plus vraiment on est plus vraiment sur de la récupération. Là, c'est 100% récupération. Ah, il faisait quand même très chaud aujourd'hui. Hein. 48 degrés aujourd'hui, dans les dunes, ils ont dit. Ah ouais, aujourd'hui, il faisait 48. Vraiment très chaud. Le sable était très mou, la mécanique a vraiment eu dur. Donc ouais, non, il fait chaud. Enfin, perso, moi, le vent, ça me fatigue. Le vent, les nuits avec le bruit, le matelas qui est pas excessivement top. Mais voilà, c'est pas pour ça, pour autant qu'on est mauvais. On est même très bon.